Ohio les amis, Ohio, et bienvenue sur la pause déj du Kabuki. On est sur le let's play Carlate épisode 12 déjà. Aujourd'hui, là, tout le week-end, il y a les raids Dracofeu. Donc, on va regarder ce que ça donne parce que ça a l'air d'être du 7 étoiles. Moi, je crois que j'ai fait que du 4 étoiles jusqu'à présent. Donc, je sais pas si j'y ai accès en fait. Je sais pas comment ça marche, ce que j'ai vu. Donc, ça pourrait peut-être en aider certains. C'est que dans le Poképortail, quand on va dans Notif, avec plus, quand on regarde les Dracofeu, qu'est-ce qu'on nous dit un peu plus bas là? On nous dit, bon déjà il y aura des raids, pas que Dracofeu, hein, il y aura aussi du Florge et du Mimiki en 4-5 étoiles, et que le Dracofeu est en 7. Et un peu plus loin, on nous dit d'aller dans Cadeau Mystère et puis de faire recevoir les actus Poképortail. Bon, alors je sais pas si c'est lié, parce que quand je vais dans les raids, voilà pourquoi je vous parle de ça, ben je ne vois pas les raids Dracofeu. Ouh, le follow et le sub est pas mis à jour. C'est moche. Bon, on se fait un petit réglage et puis on se lance. Vous voyez, il n'y a pas de Dracofeu là. Hop, on va régler ça tout de suite. Ah, faut dire que j'étais au taf juste avant, hein. Réu sur Réu, c'était le bordel. Hop, on prend ça, comme ça, et on se met une petite couleur Pika. Ok, voilà déjà pour le follow, et on va faire le sub. Eh oui, c'est du temps réel, les amis. Et ça avant chaque live, en général. Hein. Sélectionner une couleur. Et voilà, on est mieux comme ça. Parfait. Alors, revenons à nos moutons. Donc là, vous voyez, on n'a pas les... On a les 5 étoiles, les 4 étoiles. Voilà. Donc, je sors de là. Je pense pas que ça fasse grand-chose, hein, mais on va aller dans le cadeau mystère. Effectivement, il y a recevoir les... Voilà, vous avez reçu les dernières actus. Très bien. Est-ce qu'il faut les trouver sur le terrain? Est-ce qu'il faut que j'ai fait d'autres choses dans le jeu que de le terminer? Je ne sais pas. Et ici, en fait, on ne voit pas de Dracofeu. Donc, ben, si dans le chat, vous savez, hein, je compte sur vous pour m'éclairer. Ok. Alors, ben, on va regarder sur la map aussi. Hein, si on voit quelque chose... Donc là, non. Alors, bonjour, grand dresseur Kabuki. Et il y a Lily et Seb qui débarquent en même temps. Hello! Ohio! Comme on dit au Japon. Peut-être là, mais je vois que c'est du normal. Mais je vois que ça brille, alors je sais pas trop. Pour vous résumer un peu la situation, Lily et Seb, il y a des raids Dracofeu 7 étoiles. Mais je suis pas sûr de pouvoir y accéder en fait. Parce que je ne les trouve pas. Alors là, on a un raid, mais bon. Je ne pense pas que ce soit ça. On va quand même aller voir dans le doute. Après, est-ce qu'il faut chercher sur la map? Ouais, donc c'est pas ça. Sinon, on se baladera en espérant que quelqu'un nous trouve et nous donne la solution. Qui sait? Là, on a des apparitions. Là, je vois un raid dragon, mais je pense pas que ce soit ça. On est un peu dans la panade. Voilà, c'est maxi zoom. On peut pas faire mieux là. Je ne sais pas. Je ne sais pas, les amis.
Je suis embêté. On va aller voir ça, mais ça brille pas. Normalement, c'est les raids d'événements qui brillent, il me semble. Hein. Sinon, on va se rabattre sur le 4-5 étoiles, ce sera déjà pas mal. Surtout qu'apparemment, on peut en avoir qu'un de Dracofeu, de ce que je comprends. Alors moi, c'est là que je voulais aller. Je vais regarder si je peux t'aider. Ah, merci Seb. Ouais, si tu trouves un truc sur le web. Non, ça va pas être... Ça va être classique, ça, je pense. Ouais. Alors, on va partir sur des raids un peu plus complexes, du coup. Et brillants. Bah, on peut même aller depuis le Poképortail. Hein. Ah, peut-être qu'il y a une condition d'avoir fait tant de raids. Je crois qu'il faut faire X raids de temps d'étoiles. Là, on a du 5. Après, je crois qu'on aura peut-être accès au 6, etc. Je crois que j'avais lu un truc comme ça, Seb. Si vous voulez rejoindre les raids, les amis, que vous êtes en ligne, là, pour le chat, n'hésitez pas à me le dire. Sinon, je vais le faire avec des inconnus. Mais je crois que c'est ça, ça pour avoir accès. Parce que là, tu vois, je suis que à 4 ou 5. Je pense qu'il faut faire un certain nombre de raids, gagner un certain nombre de raids ou participer pour avoir accès après au level suivant. C'est vrai que c'est un point que je n'ai pas creusé. Et maintenant qu'on cherche, ça me revient. Par contre, pour savoir où on en est, ça, je sais pas du tout. Salut, je passe juste faire un petit coucou. Alors, que nous dit Seb? Pour avoir accès à cet événement, vous devez mettre à jour vos actus Poké. Ça, c'est fait. Accessible. Nanana. Ok, le Pokémon apparaîtra uniquement dans les raids de cristal noir débloqué après avoir, mon petit Seb. Coucou Sonia, on essaye de faire les raids Dracofeu, mais apparemment, on n'y a pas accès. Alors, je vais changer de Pokémon. J'ai pas eu le temps de passer ces jours. Il n'y a pas de souci, Sonia. Vous avez été beaucoup dans ce cas-là. Je sais pas. Peut-être la vague de froid, la vie, tout ça. Il n'y a pas de souci. Moi, j'étais là. Il y a les VOD. Il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que ce matin, ouais, j'ai fait un petit jeu de baston bien sympa. Je pense qu'il sera plus regardé en VOD que ce qu'on était en ligne. Alors, étape 1, menu Poképortail. Étape 2, cadeau mystère. Bah c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, Seb. Ah, on est que 3 là, c'est moche. Je vais réaliser, je dois continuer à travailler. Donc, ça taffe dur, Sonia. Courage à toi. Force à toi. Et puis, à bientôt. Alors, on ne va être que 3, ça va être compliqué. On va voir. Ouais, c'est ce que j'avais trouvé aussi, ça. Mais je pense qu'il faut faire plusieurs raids. En plus, ils disent de céder des deux qui fournissent, là. Donc, je pense que... Oh, ils ont tous sorti les super Pokémon, là. Moi, j'ai avec mon Lucario. Oui, mais plus qu'une dernière classe, après c'est le week-end. Ah, un dernier jour de classe, ouais. Et puis dans 2 semaines, c'est les vacances pour moi, Sonia. Ce week-end, je pense que je vais me consacrer à Noël. Vous allez peut-être pas me voir. J'ai pas mal de choses à faire. Je vais aussi envoyer le giveaway maintenant que je suis négatif. Je vais me faire l'autotest ce soir. Si tout va bien, je pourrai envoyer le giveaway à Gunther, qui a quand même gagné Pokémon Violet en cartouche. Et puis, faut que je prépare les cadeaux, tout ça, faire le sapin. Donc, vous me verrez, je pense, plutôt sur Discord.
Surtout que j'ai pas mal streamé ces deux dernières semaines, hein. On s'est fait du quotidien pendant deux semaines. C'était plutôt cool. Alors attends, j'ai vu que Ambreline nous a dit pour faire les raids Dracofeu, il faut avoir débloqué les raids 6 étoiles, donc avoir fini le mode histoire et avoir refait deux fois les 8 arènes. Une deuxième fois les 8 arènes de l'académie et gagner 10 raids 5 étoiles. Waouh, ça sera pas donné à tout le monde. Ils y sont allés un peu fort parce que tout le monde n'a pas fini le jeu. Il y en a qui l'ont même pas encore, qui l'attendent pour Noël. Difficulté du raid 7 étoiles, il faut venir avec des Pokémon au niveau 100 pour assurer la victoire. Oh ouais. On va se retaper les arènes alors. Pour moi les vacances c'est le 22. Ah ouais, moi c'est 17 au soir, Sonia. J'ai prédit 17 au 31 comme un gros sauvage. On est à l'apparition du raid noir. Ah ouais, donc ça veut dire que... Ça veut dire que t'as refait les 8 arènes, Ambreline ? Et après tu as gagné des raids 5 étoiles, c'est ça ? 10 raids 5 étoiles. Ah, t'as même fini le Pokédex. Pardon ? Eh ben GG à toi, hein. Gros GG même. On balance le gros GG pour Ambreline. Bien, ça me donne une idée aussi. Bah, y a pas mal de cadeaux quand même. Hein. Et si on a fait les 5 raids... Attends, c'est quoi 5 raids, 10 raids, 5 étoiles? Si on les a fait avant d'avoir les arènes, c'est bon? Ça va être chaud, j'aurais dû le lire avant, parce que pour se préparer... pour y arriver avant la fin du week-end... Et on a droit qu'à un Dracofeu, c'est ça, hein? Par sauvegarde. Bon, bah, on l'avait pas, c'est cool. Bah, go se faire les arènes, mais ça va être Tandax quand même, là, de se faire. Bon, on va garder notre équipe de base, et puis on va tenter. Hein. Ah, ils ont mis la barre haut, ouais, j'avoue. Après, c'est pas le petit cadeau qu'ils font, hein. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à YouTube, n'hésitez pas. J'ai mis une petite annonce récurrente. Allez, on va commencer. C'est la streameuse ici. Est-ce qu'il faut refaire des examens? Je pense pas. Mais je pense qu'on va se faire laver, hein, parce que là, j'étais pas prêt. Hein. Plutôt, je vais me faire laver parce qu'on n'était pas prêt. Hello, buenos, salut! Place à ma chine, place à ma chaîne, la reine de la toile Elec va mettre l'ambiance. Aujourd'hui on accueille la chef. Ou... Mais t'es pas Alisma? Eh non, c'est moi. Hein, tu viens passer au rang maître? Tu viens de passer au rang maître et tu fais déjà l'inspection à la place de la chef? Mais JPP, j'ai l'impression que t'as réussi ton examen d'arène il y a genre 5 minutes. T'assures? Eh mais attends, c'est le moment de faire une collab. Les vues sur mon stream vont exploser. Bon, c'est décidé, on va se faire ça. C'est pas toi que je m'attendais, c'est pas toi que je m'attendais à voir, mais ça change rien. Je vais me donner à fond. Et merci, merci à tous ceux qui ont aidé sur le chat pour m'expliquer comment on allait faire pour avoir le Dracofeu. J'ai peut-être pas dit merci. Ça va être un combat de ouf. Bon, on s'y met. Merci Lily, merci Ambreline, merci Seb. Allez, c'est parti. Normalement, doit être. Je sais pas quand s'ils se sont rehaussés au niveau des arènes aussi, ça va être compliqué. Hein. Je m'étais dit ouais, je la referai plus tard, je vais me balader un peu, faire le Pokédex et tout.
Hello, buenos, salut, place à machine, place à ma chaîne. On se retrouve tous ensemble pour les machins de machine. Aujourd'hui, on est avec un invité qui envoie du lourd, le nouveau maître Kabuki. Tu es peut-être pas au courant, mais tous les champions parlent que de toi. T'es dans le top des tendances. En même temps, t'as fait des étincelles pendant tes examens d'arène, alors c'est pas étonnant. Il y a moyen que ce stream fasse grave le buzz avec un invité comme toi. Alors voyons voir, je vérifie juste le cadrage. Bon, je pense que mes abonnés ont assez attendu. Je vais tout donner, vous m'aurez jamais vu aussi à fond. Eh ben on est parti. Il va me manquer mon petit flamingo là. Mon petit fireman. Ouvrez bien les yeux, la machine infernale est en roue libre. Magnétisme au paroxysme. Bah une taillade, même si c'est pas très efficace. On est quand même niveau 85. Ah oui, en plus j'avais mis un brasillon pour le monter, là j'ai pas ma vraie team. Bon, alors, on verra pour la deuxième arène. Ah, il m'en manque deux là du coup. Allez, c'est parti. Pibidou. Niveau 65, ça va. On évite l'attaque. Et on fait un petit close combat. Et ça envoie un Luxray, évidemment. Intimidation. Et ça fait 3 déjà. Bah du coup il va grave évoluer Brasillon là. Ok, one shot. Faut dire que j'ai eu du bol avec ce Lucarios, je l'ai trouvé dans des grottes, j'avais vraiment pas le niveau pour l'avoir. Il est en potentiel exceptionnel. Il était déjà niveau 75 quand je l'ai trouvé. Et moi je devais être 40 ou un truc comme ça ou 35. Changer de Pokémon, allez. Et on va prendre le Dracobolos. Là, ça va être l'heure du Terra Crystal, je pense. Kabuki, laisse-moi une petite chance. Faut pas que je déçoive mes viewers. Et moi, alors, je fais comment? Ah oui, c'est vrai. Alors. J'ai eu un éclair de génie. Brille aux éclats, ma petite ampoule.
Allez, combat de Terra Crystal. Allez, chantez tous derrière vos écrans pour donner de la force à Kabuki. Et voilà, ça c'est fait. Il n'en reste plus que 7. Waouh, il déchire les nouveaux maîtres. Bah, ça nous fera un petit peu de thunes aussi, c'est cool. 11 000 balles là. Je suis un peu dégoûté. Mais regarde-moi le nombre de vues. Le stream a explosé les records. T'imagine pas à quel point. T'imagine pas à quel point ça me fait plaisir. Comme quoi les guests, ça attire les foules. Ça serait cool que tu repasses sur ma chaîne à l'occasion. Par contre, interdiction d'aller chez les autres. Je veux garder l'exclu. Et je compte sur toi pour laisser un like sur ma performance quand tu verras la chef. C'était Machine, la reine de la toile élec, la streameuse survoltée. A bientôt pour plus de contenu sur les machins de Machine. Bon bah inspection terminée, qu'est-ce qu'il va nous dire lui? Félicitations, vous êtes venu à bout de l'arène de Levalandula. Ok, allez on sort, on se téléporte. M'attendez pas à faire les arènes en blitz, mais on va le tenter. Et bon, avec tout le blabla, ça va être compliqué hein, d'aller jusqu'à 8 arènes jusqu'à 13h30. On va essayer. Sinon, bah, ça méritera soit un autre live, soit je le ferai en off. Et puis, je vous tiendrai au courant. Elle est où, l'arène, là? Hop là! Dresseur avant-gardiste. Tu t'appelles Kabuki, si je me souviens bien. Ça tombe un peu à plat, je trouve. Et si je t'appelais plutôt Kabuki, l'artiste novateur? Vous pouvez m'appeler maître. Enfin, assez parlé de nom. Notre précédent combat fut un grand moment de création artistique. À chaque fois qu'il traversait ma pensée, je me disais que j'aimerais te croiser à nouveau. Ta présence ici me remplit de joie. Loué soit mère nature. J'ai un rendez-vous avec la maîtresse en chef dans un moment, mais je vais annuler. Et si nous en profitions justement pour discuter de nos visions respectives de l'art? Plaît-il? Alors c'est toi le chargé d'inspection à la place de la maîtresse en chef? Très bien. Peu importe la raison de ta venue, tant que nous pouvons collaborer à nouveau. Bon Kabuki, es-tu prêt à ouvrir les portes des plus hautes sphères artistiques? Bah go, 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 go. Ah, j'ai pas rechargé le Terra Crystal. Et j'ai pas changé ma team.
Ben voilà. J'ai pas non plus soigné. Bon, je suis parti vraiment à l'arrache. Ses ailes tournent lentement mais sûrement, animées par le vent de Paldea. Je me souviens sûrement de mon entrée en scène. Si je bondis du haut de ce moulin sous les yeux ébahis des prétendants à mon badge, c'est pour ajouter de la tension dramatique à nos combats. Je vois. Je savais que tu comprendrais. Je l'ai dit, je pense pour épargner mes pauvres pieds aujourd'hui. Ce combat à lui seul s'annonce comme ma plus belle œuvre à ce jour, même sans le frisson d'un tel plongeon. Après tout, notre art s'exprime à notre place. Dès lors, les mots sont inutiles. Alors, es-tu prêt? C'est l'heure de notre œuvre collaborative. Sniff. J'arrive avec une équipe, une demi-équipe, là. Quelle œuvre d'art notre combat va-t-il nous inspirer, Kabuki? Bah, je sais pas trop. Heureusement qu'on a Tayad. Allez, Sucrène. Heureusement qu'on avait quand même Cisaiox avec Tayad. Aéropique, aéropique. En un coup, tu les massacres. Bah ouais, parce que je me suis quand même bien monté les levels pour faire la chasse. J'en ai fait un tank de Cisaiox, donc je voulais qu'il soit vraiment ultra balèze, puisque c'est lui qui a fauchage, ça permet d'attaquer les Pokémon sans les mettre KO. Ça leur laisse un point de vie. Et du coup, comme il s'en prend plein la tronche et que je fais fauchage, même quand c'est pas efficace, bah, j'en avais fait, je commençais à en faire un balèze. Et du coup, les arènes sont au niveau 60 apparemment, donc ça va. On a déjà dépassé ce niveau. Et on a de la chance aussi, Seb, puisque là, j'ai l'attaque qui va bien pour les Pokémon plantes. On verra contre le Terra Crystal. Là, on a l'âme d'air, donc ça tombe bien aussi, voilà. J'ai toujours un petit peu de bol dans la vie, donc là, ça se confirme encore. J'ai le bon Pokémon sans l'avoir forcément choisi. On verra dans les autres arènes. Oh, c'est beau ça. On va tenter le Tayad. Ouais, ça passe. Est-ce qu'on change de poké? Bon, on va continuer, allez. La rose est fragile, mais ses épines sont robustes. Tu n'arriveras pas à me déraciner si facilement. Piste au point. Ah, il est vraiment top, Cisaiox. Ah, il est plus résistant. Ouais. Bon, admire l'herbe, comme l'herbe pousse au gré de mes désirs. Alors, oh, ça va, c'est pas très efficace. Par contre, s'il récupère ses PV, ça va pas le faire. On va lui faire un Tayad. Allez. On va en faire un bonsaï. Ok. Ah,
Ton avant-gardisme a eu le meilleur de moi. Alors, on va passer au Poké Center. Oui, c'est ce que je voulais. Parce qu'il me le manquait dans le Pokédex. Flambusard. Et ça rend dans le Pokédex un de plus. Cool. Quel combat créatif! Les couleurs fusaient et se transformaient dans un dégradé sublime. Un déchaînement furieux mais empreint d'une grâce infinie. Mes félicitations pour la création de cet ineffable contraste. Se battre contre toi est un vrai plaisir. Ça me rappelle quand je débutais en tant qu'artiste. Ah mais j'y pense, ta présence ici avait trait à l'inspection de mon arène pour la maîtresse en chef, il me semble. Hello yo! On rush les arènes V2 pour faire le... Pour faire le Dracaufeu Terra Crystal. Je n'ai que peu d'intérêt pour ces choses-là. Fais-lui le rapport que tu voudras. Ah, l'inspiration m'est venue, il ne me quitte plus. Je l'aperçois de toutes parts. Je dois m'atteler à ma prochaine œuvre, donc si tu veux bien m'excuser, au revoir. Yo yo! Moi, je fais le Pokédex un peu. Mais moi j'étais pas prêt pour le cristal le Terra Crystal noir. Heureusement qu'on m'a aidé sur le chat. Du coup il faut faire toutes les arènes, les refaire, une fois que t'as fini le jeu. Et puis faire 10 raids 5 étoiles. Et après t'as accès au raid exclusif Dracaufeu qui dure que 2 jours, je crois. Hein. Alors, n'allons pas trop vite non plus. Le problème c'est qu'il nous reste plus qu'une demi-heure. J'aurais pu me téléporter. On va y aller comme ça. Donc. Déjà, on se soigne, comme ça on récupère le Terra Crystal. Ok, ensuite on change la team. Boîte PC. Il est pas mal celui-là. Hein. Niveau 75. Fait sol. On s'en servira. Déplacer. Hop. Tac. Et on va se prendre le. Je sais même pas où je l'ai mis. Je crois qu'il est en boîte 1. Ouais. Ouais, il est là. Et on va le changer, bien sûr, sur l'overlay. Hop, parcourir. Le temps que les images s'affichent de mon côté. Il est là. Ouais, on va le laisser comme ça. C'est bon. Salut Seb, j'ai un souci mort de rire. J'ai zoomé mon écran sans vouloir. Je sais pas comment j'ai fait pour le remettre normal. Et je vois pas les messages. Ah ouais. Donc là on a la team de base. Ah mais c'est vrai qu'on a Coraidon aussi. Ouais, on pourrait vraiment en cas de galère on va l'utiliser. Du coup. On a fait là où on a fait là. On va faire ici. Alt quelque chose. Ouais, je sais pas, ça peut être. Alt F quelque chose, non? Je sais pas. Sinon, ferme l'appli et reviens. Allez, troisième arène, on enchaîne. Ah, tu voulais mettre @seb et t'as fait alt, je sais pas, hein, qu'est-ce que t'as pu faire? Moi, je pense que c'est F9 ou F8, non?
Bienvenue, je suis Hera, la chef pâtissière de Pâtis en Boule. Oh, c'est toi, pardon, je ne t'avais pas reconnu. Mais alors, c'est donc toi, le nouveau maître dont tout le monde parle? Tout à fait. Super, j'en étais sûr, ta progression est impressionnante. Je me souviens encore de la fois où tu t'es régalé avec mes gâteaux. Ce jour-là, je me suis dit que tu avais du potentiel. Enfin, je discuterai bien chocolat et sucre glace toute la journée, mais c'est la maîtresse en chef qui t'a envoyé me voir, n'est-ce pas? Je t'avoue que j'avais complètement oublié ces histoires d'inspection. Heureusement, j'étais venu pour donner des gâteaux à mon équipe, ça tombe bien. Bien, et si tu me montrais tes talents de maître? Et on est reparti. Hé, j'ai hâte de t'affronter dans un endroit plus adapté. Allons dans un endroit plus adapté. Halte quelque chose, mais sur quoi? Bien vu. Ok, à tout de suite, yo. Bon, tu vas rater un combat d'arène spectaculaire. Peut-être qu'il sera pas fini quand tu seras revenu. Tu sais, je me souviens bien de tes prouesses lors du roule olive, Kabuki. Tu faisais rouler ton olive avec une telle vigueur. On aurait dit que tu t'étais terre cristallisé. En type combat. Je me demande si tu avais visité d'autres arènes avant de visiter la mienne d'ailleurs. Comme mon arène est assez proche de l'école, c'est souvent la première que les dresseurs et les dresseuses visitent. C'est d'ailleurs pour ça que la chef me demande d'y aller tout doux avec eux. Mais ça me fait de la peine pour mes petits Pokémon insectes chéris qui se retrouvent à perdre à chaque fois. Au moins cette fois, je vais pouvoir arrêter de marcher sur des œufs et révéler mon véritable potentiel. Hé hé. Maintenant, si tu me le permets, je vais t'aplatir comme une crêpe. C'est ce qu'on va voir. Ça se mange grillé, les insectes. Vous le saviez. Aujourd'hui, nouvelle saveur, l'amertume. C'est celle de ta future défaite. Attends, je vais te chanter une petite chanson déjà. Ça s'appelle Allumer le feu. Voilà. Ah ouais, j'ai trouvé lui. Deuxième couplet. Ouh, il n'y est pas passé. Wow, quelle rapidité, yo, t'as un super PC, non? Bon, on a éclaté juste un Pokémon en chantant Allumer le feu. Et on va faire le troisième couplet. Scarigno, bon, on va le griller aussi. On va changer de technique un peu. On va faire du lance-flamme. Ah ouais, quand même, hein, il rigole pas. Allez, 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 on continue. On envoie les Pokémon. Ça va être le quatrième. Ah, il se protège, l'enfoiré. Ça va être un peu plus long. Il va nous retarder, cet enfoiré.
Allez, ciao. Allez, on y croit, on y croit. Ça va être le Terra Crystal, là, non? Les Pokémon type insecte sont très endurants. Il faut savoir rebondir au bon moment. Ah, c'est pas un insecte, ça. Ah, ah. Ouais, c'est un type normal. C'était la petite surprise du chef. Sors de ton concours et montre-nous que tu es beau, mon Nunurs. Vous avez fait la petite feinte de ne pas la sortir tout de suite. Et voilà, c'est réglé. Ça prend plus de temps avec les animations, les blabla, etc. que les combats. Tu es sorti de ta chrysalide avec grâce. Ouais, les animations sont vraiment classe, ouais, je suis d'accord Lily. Quel talent, tu n'as rien à envier à la chef. J'ai beau avoir perdu, cela fait un bien fou de mettre toutes ses forces dans un combat. Finalement, cela ne profite peut-être à personne que j'y aille tout doux avec mes adversaires. Après tout, Kombu, mon professeur de cuisine, m'avait dit de mettre un peu plus de moi-même dans mes gâteaux et c'est ce que j'ai fait. Ah, Kombu, c'est son prof. On va aller le voir après. Je crois que je devrais aussi essayer de mettre plus de moi-même dans mes combats. Et si les gens se plaignent que mon arène est trop difficile, je leur dirai que j'ai simplement ajouté un soupçon d'amertume. Sur ce, je te dis à bientôt. Allez, Père Kabou, on continue. Non, 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 pas la CT. Hop, on soigne, on récupère le Terra Crystal. À bientôt. Alors... Allez, on va ici, on enchaîne. Et on est reparti pour un nouveau combat. 13h11. Kabuki, ça alors, ça fait longtemps. Tu es encore plus resplendissant que la dernière fois que je t'ai vu. Je vous retourne le compliment. Comme tu es flatteur, tu as beaucoup mûri depuis notre dernière rencontre. Si je comprends bien, tu es venu à la place d'Alisma. Pour être honnête avec toi, je m'entends pas très bien avec elle. Le magnétisme que dégage l'aura d'Alisma me fait bien trop d'ombre à la mienne. C'est pour cela que je suis bien contente que tu la remplaces. Ta présence va me permettre d'appréhender ce combat plus sereinement. Bien, es-tu prêt à mener un combat d'une incomparable magnificence?
Oui. Magnifique, rendons-nous au terrain de combat alors. Avant le combat, toutes les cellules du corps sont en effervescence. Et c'est d'autant plus vrai contre un adversaire aussi fabuleux que toi. Te voir ainsi m'emplit d'une joie immense. Tu as appris à exploiter pleinement ton potentiel et je suis très fier d'y avoir contribué. Voir les autres réussir me donne la force de me dépasser et me rappelle qu'il faut savoir sécher ses larmes et aller de l'avant. Après tout, la tristesse ne fait pas partie de mon panel d'émotions. Tu as dû t'en rendre compte dans mon programme de fitness. Puisqu'on en parle, je vais t'enseigner ce qu'est le véritable fitness émotion. Tu veux connaître le secret de ma beauté? Attention, c'est une formation intensive. Ah, protection encore. Psytra, bon non, on continue, allez. Ah, il prend cher quand même. Garde-voix. Non, on va le garder, hein. Garde-voix et KO. Galam, on continue. Est-ce qu'on va pas avoir droit au Terra Crystal là? Bon, on va voir. Non, donc c'est prochain tour. Lord Jess. Je ne m'attendais pas à un tel dénouement. Ce type de surprise n'est pas bon pour mon teint. Je suis qu'on vient de choper là. C'est lequel qui fait le plus mal? Ouais, c'est surchauffe. Hein. Allez. Florge, c'est ton tour, revêt ta brillante parure. Quel style pour lancer sa Pokéball. Et la chanson qu'on attendait. Ok, on a battu la championne d'arène. Ça fait déjà 4. Il me sera difficile de maquiller la réalité de cette défaite. Ce
Sans surprise, tu as prouvé une nouvelle fois que ta force n'a d'égal que ta beauté. Dans mon domaine, les personnes qui manquent clairement de talent ne font pas long feu. Incapables de surmonter les difficultés qu'elles rencontrent, elles sombrent dans le désespoir et mènent des vies malheureuses. Si tu veux mon avis, il vaut mieux ne pas avoir de talent du tout que de ne pas en avoir assez. Et je ne voudrais surtout pas qu'une telle chose t'arrive, alors continue de cultiver ton talent. Tu me le promets, d'accord? Je veux que tu continues à te dépasser. C'est tout pour moi, merci pour cet agréable moment passé en ta compagnie. Du coup, on en a fait 4 en un peu moins d'une demi-heure. Ça va être un peu tendu pour faire les 8, malheureusement. Et pour une fois, d'habitude, j'ai une réu qui commence à 14h30 le vendredi. Mais là, j'en ai une autre qui s'est calée avant à 14h. Du coup, nous ne pourrons pas aller jusqu'au Dracofeu. Mais on va essayer d'en faire un max quand même. Alors, téléportation, on va sauvegarder quand même. Même s'il y a des sauvegardes automatiques. On va remonter par là. Il y en a une ici. À nouveau une sauvegarde manuelle pour être sûr. Ouais, tu as tout à fait raison, Seb. Même si ça sauvegarde au même endroit, en fait. Ah oui, il y a le préféré de Gumo, Okuba. Bonjour, tu n'as pas rendez-vous? C'est bien ma veine, pile à l'heure de ma réunion avec la chef. Maintenant que j'y pense, cela ressemble bien à la chef de procéder ainsi. Pas d'inquiétude, j'ai bien compris de quoi il s'agit. Bon, merci de me recevoir. Tout le plaisir est pour moi. Toutefois, la chef est certes ma supérieure, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle confie cette tâche à un élève. Oui? Oh, je crois comprendre. Grâce à ton aide, elle a du temps pour participer à un tournoi dans ton école. Ai-je bien saisi? Je vois. Si cela lui fait plaisir, je pense qu'à sa place, j'aurais refusé de participer au tournoi sans hésitation. Bien, essayons d'en finir aussi vite que possible avec cette tâche. Cela te convient-il? Oui. Oui, 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 oui. En ce cas, rendons-nous de ce pas au trésor culinaire. Ah oui, c'est vrai que la reine est dans un resto, là. On dirait les restos Disney à Disneyland. Je vais chercher mon frère à l'école. Bonne journée à vous et à bientôt. Profite bien des moments avec ton frère, yo. Amuse-toi bien. Quand tu te mettras sur Pokémon. Et puis, merci d'être passé. Et puis, à plus tard. Tu m'as déjà affronté lors de ton épreuve pratique au conseil 4. Tu m'as dit donc que tu ne dois pas être très impressionné. Et si nous commencions? Cette fois, c'est en tant que champion que je t'affronte. Je me servirai donc de mon équipe habituelle. Mes Pokémon sont de type normal, ordinaire, commun, sans surprise. Bref, tout ce qu'il y a de plus banal. Ils conviennent parfaitement à quelqu'un qui se fond dans la masse comme moi. C'est pourquoi je les affectionne tant. Pourquoi tout compliquer inutilement? Cela vaut aussi bien pour les êtres humains que pour les Pokémon. De nos jours, les gens n'apprécient plus que les choses clinquantes ou excentriques. On peut bien sûr apprécier un voyage, mais au fond, il n'y a que chez soi que l'on se sent vraiment à l'aise. Rien ne vaut la simplicité. Et il me fait triper.
Et c'est parti. Te voilà aussi aux ordres de la chef. Tu as toute ma sympathie. Un petit psy coup de boule. Dodo, voilà. Hyper sommeil. Aïe, 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 aïe. C'est bon. Guerrier-aigle. Non, je voulais pas changer. Tu es fort et c'est bien normal, mais je compte travailler dur pour reprendre le dessus. Et tout Raptor. Je pense que c'est le dernier. Hein. Ce que je vais te montrer est top secret. As-tu signé l'accord de confidentialité ? T'inquiète, on avait prévu le coup. Ok. Et une, et deux, et trois défaites. Ah ouais, c'est la troisième fois qu'on l'éclate. Il va aller prendre une bière. Je vais devoir prendre des congés pour m'en mettre d'un tel déluge d'émotions. Quoi qu'il en soit, je pense avoir saisi quelque chose. Je crois comprendre pourquoi on m'a demandé d'utiliser le type vol au conseil 4. Si on ne sort pas de ces sentiers battus, on risque de ne jamais voir certains paysages. Admirer de temps à autre un talent aussi vertigineux que le tien m'est bénéfique. Ne va pas croire néanmoins que je le fais par plaisir, je me plie aux ordres de la chef. Sur ce, tu me pardonneras, mais on m'a sommé de ne pas faire d'heures supplémentaires. Au revoir. Donc ça, c'était la cinquième arène. On soigne, on récupère le terrain cristal.
Et on se téléporte. Ah, c'est chaud, 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 là, de bombarder comme ça, hein. Tiens, c'est toi? Je suis ici pour faire un peu de glisse. Je ne sais pas si la neige est vraiment bonne aujourd'hui. Et je suis venu pour me battre. Là, tout de suite, j'ai un truc important dans pas longtemps. On lui explique. Ah, mais j'ai compris. Tu es venu faire l'inspection à la place d'Alisma, c'est ça? Tu en as de la chance, toi, d'avoir réalisé ton rêve en atteignant le rang maître. Désolé, je suis conscient d'avoir l'air aigri. Je pense réellement que c'est impressionnant, c'est juste que ce n'est pas évident pour moi. Bon, tu voulais voir ce que je vaux, il me semble, alors finissons-en. Yeah, GG Ambreline. Il est classe ou pas? Et si on sortait, il vaudrait mieux pour toi qu'il ne neige pas. Est-ce qu'il est classe ton Dracaufeu? Il est niveau 100 du coup? Et il est type quoi au niveau Terra Cristal? Ça fait beaucoup de questions, hein. Que de la chance, la météo est en ta faveur. La montagne se montre sympa avec toi. Tu sais, la Ligue vient plusieurs fois par an faire ce genre d'inspection dans les arènes. Et si on ne se monte pas suffisamment à la hauteur, on perd notre place de champion. Bien sûr, Alisma dit que ce ne sont que des formalités. Mais déjà que j'ai dû faire une croix sur mes rêves de snowboarder, si on m'enlève le seul truc pour lequel je suis doué, il ne me restera plus rien. Pardon, je ne voulais pas jeter un froid, alors qu'en vérité, tout ça, c'est très simple. Il suffit que je te congèle jusqu'aux os et tout ira bien. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Ouais, nous, on en est à la 6e arène, là. Les conditions ne sont pas optimales, mais ça ne m'empêchera pas de te faire subir une... dégelée, c'est ça qu'il y avait écrit ? On va te réchauffer un peu, hop. Allez, c'est parti. Dragon level 100, potentiel exceptionnel. Top classe. On verra si pour cette 9G, Micromania offre un légendaire shiny. Qui sait. T'as vu Ambreline qui avait un code cadeau mystère qui était tombé hier aussi pour avoir des ingrédients. Je l'ai mis sur mon Discord. Toutefois, tu ne l'as pas vu passer. Mais tu m'as l'air bien informé quand même. Bah allez, hein, un petit lance-flamme. Oh, le vilain, il tape avant. Je ne te laisserai pas me liquéfier. Le vent tourne et il vient du Grand Nord. Level 34 déjà, Seb, ça monte vite. Ouais, je l'ai fait hier aussi, c'est Panda qui était passé nous voir et qui m'avait informé, ça venait de tomber le code en fait. Hier après-midi. C'est le dernier, ok.
Plus la neige et les cristaux de glace nous viennent en aide. Aïe 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 aïe. On risque d'y passer. Non, on évite l'attaque, c'est magnifique. Coup de chance. La flamme qui brûle en toi, j'avoue qu'elle m'émeut quelque peu. Alisma doit vraiment avoir une dent contre moi pour m'envoyer quelqu'un d'aussi fort que toi. Je n'avais aucune chance. Je ne regrette rien, j'ai pu montrer tout ce que j'avais en moi. Franchement, c'est hyper frustrant. J'ai donné tout ce que j'avais, mais j'ai quand même perdu. Ça m'a donné envie de prendre mon rôle de champion d'arène plus au sérieux. Tu as rallumé une flamme en moi alors qu'elle était complètement éteinte. Merci Kabuki. La prochaine fois, c'est moi qui te battrai. Il y a une prochaine fois. Fais attention à toi dans la descente et n'attrape pas froid. Ok. Alors je vais regarder qui stream. Alors ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est que je vais continuer en off. Je finirai dans le... Avant demain, je pense, dans la soirée, je finirai les deux arènes. Et après, je montrerai les Pokémon au niveau 100. Et on se retrouvera pour un live, sûrement un live rapide demain matin, pour faire le Dracaufeu, tout simplement. Donc ça sera la partie 2, pour ceux qui regardent les VOD, la partie 2 de comment avoir le Dracaufeu, du coup. Puisqu'on a découvert ça ensemble. Donc ceux qui ne savaient pas, vous pouvez en bénéficier. On va partir chez Akira. Je ne l'ai jamais ou rarement envoyé chez lui. Akira Fun, quelqu'un de très très fun. Très sympa. Il adore les jeux d'horreur. Il adore aussi la VR. Il est toujours de bonne humeur. C'est ce que je kiffe avec Akira. Donc on part chez lui. Je vous envoie le syndrome Kabuki. Et puis après on part chez Akira. Moi je dois tracer parce que je dois préparer la petite VOD. Et après, je pars directement en réunion de taf. Merci, merci tout le monde d'avoir été là, d'avoir aidé, d'avoir assisté, d'avoir encouragé. Je vous fais des bisous, des checks, et on part sur le syndrome Kabuki. Bye bye. Et puis après, chez Akira, faites-lui un petit coucou. La mâchoire est crispée, le regard fixe, les gestes saccadés. Les symptômes sont clairs, le diagnostic sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. Le syndrome de Kabuki a été décrit par Noreo Nikawa en 1981 au Japon. Et il touche une personne sur 32 000. Le nom du syndrome a été donné en référence au Kabu, le fameux Kabuki au Japon. Kabuki.